Bonjour, et aujourd'hui un très très long compte rendu parce que je me livre à une de mes marottes qui est la Lovecrafterie. En fait, je crois que c'est le plus long compte rendu que j'ai jamais écrit, et donc ça va peut-être faire un petit peu long pour un fichier audio, mais bon, si jamais vous avez la flemme de lire, peut-être que ça passera mieux comme ça, je l'espère en tout cas. Et donc je poursuis ma relecture de Lovecraft en anglais dans les recueils d'Arkham House des années 60, avec le seul qui me manquait encore côté fiction, Dagon and Other Macabre Tales, après The Dunwich Horror and Others et Out the Mountains of Madness and Other Novels, et à la condition bien sûr de conférer un statut à part à The Horror in the Museum and Other Revisions, le présent volume donne d'emblée une impression de fourre-tout, et surtout, à s'en tenir aux œuvres de Lovecraft seul, contient par la force des choses des récits globalement jugés mineurs. C'est vrai, à maints égards, et Auguste Derleth, dans sa très brève introduction, ne dit pas autre chose, en apportant toutefois ce complément qui s'avère en définitive tout aussi pertinent, même dans ses œuvres mineures, Lovecraft est globalement bien au-dessus du lot très souvent. Pour l'essentiel, nous y trouvons des textes anciens ou en tout cas antérieurs à l'appel de Cthulhu qui n'en devient que davantage une pierre blanche séparant le vieux du neuf. Il y a quelques exceptions sans doute, mais l'aménagement de la sorte de ces recueils chez Arkham House introduit ainsi d'une certaine manière un biais, a fortiori si l'on se lance dans les joutes critiques sur la pertinence ou pas, contribution de Derleth prise en compte, de la notion même de mythe de Cthulhu. Et une autre tentation surgit. Celle de voir dans ces textes, du coup, une sorte de pré-Lovecraft, pas encore abouti, les tentatives d'un auteur qui se cherche. Là encore, ça n'est pas forcément tout à fait faux, en fin de compte, et l'on pense inévitablement, à la lecture de ce recueil, à cette assertion dépitée de Lovecraft lui-même, à cette époque, qui déplorait trouver bel et bien dans sa bibliographie des textes à la Poe ou à la Dunsany, mais cherchait désespérément ces textes à la Lovecraft. Bien sûr, cette autocritique est passablement exagérée. Il n'en reste pas moins vrai que Lovecraft est alors, probablement bien davantage que par la suite, un auteur sous influence, et nombre des contes macabres ici compilés renvoient bien au premier chef à Poe, sans exhaustivité, puisqu'on trouvait dans The Dunwich Horror and Others, par exemple, d'autres récits très poesques, sans doute ses plus belles réussites en la matière, comme Cool Air, enfin on le dit, mais je n'apprécie pas vraiment cette nouvelle pour ma part, ou Le modèle de Pickman, ou encore bien meilleurs, Les rats dans les murs, ou Je suis d'ailleurs. Tandis que nous y trouvons également, accroissant l'impression de fourre-tout, tous les textes dits des contrées du rêve, à l'exception de ceux composant le cycle de Randolph Carter, ou Démons et merveilles chez nous, textes compilés pour leur part dans At the Mountains of Madness and Other Novels. Et cette fois, c'est bien sûr Dunsany que nous louchons. Et faisant plus que loucher. Mais ces textes ne manquent pas d'intérêt, pour eux-mêmes en ce qui concerne les meilleurs, mais aussi d'une autre manière, certes moins immédiate, et davantage orientée vers une lecture critique. Nouvelle tentation, voir dans ces récits une œuvre en train de se construire, car nombre des textes de ce recueil posent les bases de textes ultérieurs, généralement bien plus longs et bien plus complexes, et meilleurs sans doute, mais cette archéologie des fictions ne manque pas d'intérêt en tant que telle. Les contes ici rassemblés le sont globalement dans l'ordre chronologique, mais il y avait quelques erreurs corrigées ultérieurement pour la réédition coordonnée par ST Joshi. Se pose aussi la question des compléments, puisque Derleth distingue ici des early tales, en fait pas si early que cela, puisque seules les deux premières des cinq nouvelles rassemblées sous ce titre sont antérieures à Dagon qui ouvre le recueil. Au rang des plus ou moins gadgets, il faut y ajouter quatre fragments, plus tardifs là aussi, ainsi que glisser dans les nouvelles à proprement parler, The Evil Clergyman, qui n'est pas tout à fait une, c'est certes un récit qui se tient tout seul, mais il figurait dans une lettre dont Derleth l'a extrait, et lui-même concède que ce texte n'était sans doute pas destiné à être publié. Notons pour le principe que deux textes figurant dans le corps principal du recueil auraient peut-être davantage eu leur place du côté des révisions. Imprisoned with the Pharaohs, qui est entièrement de Lovecraft, certes, mais cela ne distingue pas vraiment des révisions pour Zealia Bishop, par exemple. Et In the Walls of Eryx. Parmi les Early Tales, cela vaut aussi pour la collaboration Poetry and the Gods. Enfin, le dernier fragment est lui aussi une forme de collaboration, mais posthume cette fois. Par contre, dans un registre autrement plus enthousiasmant, le recueil s'achève sur de la non-fiction, avec la célèbre étude de Lovecraft sur la littérature fantastique et d'horreur, Supernatural Horror in Literature. Retroussons nos manches et décortiquons. Donc on commence par Dagon, titre français Dagon. Peut-être sans raison de ce recueil, mais on fait souvent de Dagon le premier vrai récit de l'auteur adulte.
C'est éventuellement discutable. Mais au-delà de ses qualités propres, à débattre elles aussi en fait, ce qui ne fait aucun doute, c'est l'importance de ce texte dans la carrière de l'auteur. Déjà, il marque, avec quelques autres datant de la même période, le retour de Lovecraft à la fiction, genre qu'il avait délaissé les années précédentes, livrant dans le monde du journalisme amateur avant tout de la poésie et des essais. Mais c'est bien à la suggestion de camarades issus de ce milieu bien particulier qu'il s'est remis au travail dans ce domaine. On les en remercie. Par ailleurs, si le texte a d'abord été publié dans ce contexte, il sera ultérieurement repris à titre professionnel dans Weird Tales. C'est la première nouvelle que Lovecraft publiera dans le fameux pulp, qui deviendra son principal débouché pendant quelque temps, et qui lui restera associé par-delà les décennies. Si l'on en croit Lovecraft lui-même, la nouvelle, comme beaucoup alors semble-t-il, lui aurait été inspirée par un rêve. On a pu avancer une influence littéraire également, Fishhead de Irvin Cobb. C'est assez vraisemblable, du moins dans la mesure où la nouvelle tient plus de la vision que du récit. En tant que telle, elle ne manque pas de force, mais sans être tout à fait satisfaisante. L'emphase du début est problématique, notamment, qui voit le narrateur morphinomane en rajouter des caisses sur son horrible expérience. Et quoi qu'ait pu en dire un Stijoshi, la fin aussi est bancale. Même à supposer que non, la vilaine bébête ne toque pas à la porte du narrateur suicidaire, ce qui serait bel et bien absurde, l'ambiguïté du propos via ce journal tenu jusqu'à la dernière minute et dans un style inévitablement oral sur le tard peut à bon droit laisser un goût amer en bouche. Mais la vision ne manque pas de puissance donc. Par ailleurs, elle s'accompagne, même si cela ne saute pas aux yeux, d'un questionnement philosophique essentiel, que l'auteur révélera et développera point par point dans le cadre du Transatlantic Circulator, via un texte connu sous le nom de In Defense of Dagon, en français dans les lettres d'Innsmouth, Défense de Dagon. Et ces deux angles importants se combinent en fait pour laisser présager de l'œuvre à venir. The Call of Cthulhu, surtout, doit beaucoup à Dagon, mais aussi, peut-être à un niveau moindre, The Shadow over Innsmouth. Précision à cet égard. Le nom de Dagon, ici, ne renvoie pas à un grand ancien créé par Lovecraft, mais à un corpus mythologique préexistant. C'est un nom choisi par le narrateur dans une véritable mythologie humaine, sans lien objectif avec sa vision. C'est bien pourquoi le nom ne sonne pas aussi étrange et non humain que les noms des grands anciens à venir. Par ailleurs, la créature embrassant le monolithe n'est pas une divinité, et donc cet hypothétique Dagon, mais le représentant, ultime ou pas, d'une race hybride antédiluvienne. Plus tard, The Shadow over Innsmouth, avec son ordre ésotérique de Dagon, suscitera une ambiguïté à cet égard, éventuellement, mais à tout prendre, et s'il fallait établir une cohérence globale dans l'œuvre lovecraftienne, je ne suis vraiment pas persuadé que ce soit une approche pertinente, la créature entreaperçue dans Dagon serait bien plutôt un profond que Père Dagon lui-même, et bien sûr, on n'y mentionne pas Mérydra. Suit The Tomb, titre français La Tombe, qui a en fait été écrite un tout petit peu avant Dagon, même si dans le même mouvement. Tant pis pour la chronologie telle que Derleth le présente. Par contre, elle ne sera publiée dans la même revue amateur, The Vagrant, qu'en 1922. C'est un texte nettement moins convaincant, même s'il est révélateur de préoccupations récurrentes à l'époque chez l'auteur, comme l'apologie du rêve. My name is Jervis Dudley, and from earliest childhood I have been a dreamer and a visionary. Et une troublante obsession pour la profanation de sépultures, virant le cas échéant à la nécrophilie, thème qui reviendra à plusieurs reprises dans le recueil et que Lovecraft associe alors à l'esthétique décadente dont il en fait un trait essentiel. Avant les décadents et les symbolistes éventuellement, toutefois, il y a Poe, dont l'influence se fait sentir assez lourdement ici. Car Lovecraft en fait trop. On pourrait dire qu'il en a toujours fait trop, même dans ses meilleurs textes, mais l'à-propos est quand même tout autre. La nouvelle contient quelques images fortes, et si la fin se laisse tôt entrevoir, elle n'est pas mauvaise pour autant. Mais c'est tout de même là un récit passablement convenu, et sur cette durée pourtant relativement modérée, c'est aussi un texte très bavard. Peut-être peut-on en sauver le principe du narrateur non fiable. Il reviendra par la suite dans l'œuvre de Lovecraft, mais globalement avec davantage de pertinence. Retourne à quelque chose de bien plus intéressant avec Polaris, intéressant et déconcertant tout à la fois. Un premier aspect à noter, on fait souvent de cette nouvelle la première des contrées du rêve. Et elle joue déjà sur l'ambiguïté essentielle de cet ensemble de fictions, consistant à naviguer entre l'onirique et l'antédiluvien. L'histoire qui y est narrée, en fait, relève sans doute tout à la fois des deux.
Lovecraft y emploie déjà un lexique très connoté qui reviendra par la suite, y compris en dehors des seuls récits des contrées du rêve, puisque, pour l'anecdote, c'est ici la première mention des manuscrits pnakotiques. La ville de Lassau, dans le pays de Lomar, on the plateau of Sarkia, betwixt the peaks Norton and Califonec, on se dit, pas de doute, c'est bien du Dunsany. Et pourtant, il semblerait que non. Lovecraft, à l'en croire, ne découvrira l'auteur irlandais qu'un an plus tard, et dès lors ne cachera en rien cette influence. Polaris serait donc une merveilleuse coïncidence, une conjonction de goûts communs. D'autres aspects sont à relever, ainsi l'éventuelle part d'autobiographie dans le récit. Le narrateur, tel Lovecraft, se voit dénier le droit de combattre à la guerre. Sa mère l'avait fait réformer quand il avait voulu s'engager dans l'armée américaine à la fin de la Première Guerre mondiale. Cependant, c'est la faute du narrateur qui importe en tout. Non combattant, il avait néanmoins une tâche qu'il n'a pas menée à bien. En résulte une catastrophe et le poids oppressant de sa culpabilité qui ne lui échappera jamais au fil des rêves comme des millénaires. Cela fonctionne bien. L'évocation ne manque pas de puissance. Le fatalisme de l'ensemble est angoissant. L'expression du remords troublante. Ce qui permet de ne pas s'attarder plus que cela sur la dimension vaguement raciste du texte, avec ses conquérants barbares, les Inuitos, abattant la civilisation nordique des vrais hommes avant de dégénérer en ces squat yellow creatures, blighted by the cold, whom they call Eskimo. On lira bien pire de toute façon. Avec Beyond the Wall of Sleep, ou en français Par-delà le mur du sommeil, on arrive cette fois à un texte relevant plus clairement de la science-fiction, si le thème du rêve demeure essentiel. Peut-être faut-il relever à cet égard une vague ambiguïté d'ordre philosophique. Dans nombre des textes de cette époque, l'éloge du rêve a des connotations vaguement idéalistes, pour le moins surprenantes, à moins qu'il ne faille y voir que la conviction de Lovecraft de la supériorité du mental sur le physique, d'un ordre peut-être étendu ici au spirituel contre le matériel, ce qui autoriserait un accord avec sa position matérialiste globale. Dans le présent texte, Lovecraft critique en tout cas Freud et son symbolisme puéril. Plus tard dans le récit, pourtant, il confère à sa conception du rêve une allure plus ouvertement matérialiste et dès lors plus conforme à sa philosophie telle qu'on la connaît quand le narrateur avance « It allows being my belief that human thought consists basically of atomic or molecular motion convertible into either waves or radiant energy like heat, light and electricity. » Avec le charme de l'époque, mais cela ne tire que davantage le récit du côté de la science-fiction. D'autres éléments sont à relever, comme l'emploi de la thématique white trash, qui débouchera plus tard sur The Color Out of Space et The Dunn Witcher. Mais le ton ici, à l'égard de ces ploucs dégénérés, est méprisant de bout en bout, plus encore que par la suite, bien plus. Le narrateur est dissocié de celui qui subit l'expérience surnaturelle. Par contre, le cadre est un asile, comme dans The Tomb avant et bien d'autres récits ensuite. Enfin, la thématique de ces créatures extraterrestres se projetant via la pensée à travers le temps et l'espace dans des humains qui ne se remettent guère de l'expérience annonce à sa manière un texte bien plus tardif et sans doute bien meilleur, The Shadow Out of Time, ou dans l'abîme du temps chez nous. Beyond the Wall of Sleep demeure un texte intéressant qui fonctionne assez bien, notamment sur la fin. Aussi peut-on l'apprécier pour lui-même sans nécessairement le mettre en rapport avec l'évolution ultérieure de l'œuvre lovecraftienne. Mais dans ce registre, il y a sans doute beaucoup de choses à en tirer. Retour aux contrées du rêve pour une deuxième excursion que j'ai toujours appréciée, et cette fois Lovecraft connaît Dunsany et ne s'en cache rien. C'est The Doom That Came to Sarnath qui a été traduit en français classiquement par La Malédiction de Sarnath, plus précisément par La Malédiction qui s'abattit sur Sarnath. Son style exubérant, ainsi quand il décrit les richesses de la ville de Sarnath, émane directement de celui de Dunsany. On y retrouve par ailleurs cette dimension évoquée plus haut de ces contrées du rêve qui sont tout à la fois oniriques et antédiluviennes. En fait, la légende de Sarnath fera ultérieurement partie des références obligées à un passé mythique et pas toujours dans le seul cadre des contrées du rêve. Le récit, au fond, est surprenant à maints égards. L'histoire de ce crime atroce, consistant en la spoliation et l'extermination des hideuses créatures d'Ib par les hommes de Mnar, fondant dès lors Sarnath, non inventé, ne renvoyant pas à la ville bien réelle où le Bouddha enseignait, crime qu'il leur faudra bien payer un jour, a un contenu vaguement moral assez rare chez Lovecraft. Mais on le croise parfois tout de même, et tout particulièrement dans les contes ou fables des contrées du rêve. Par ailleurs, on peut se demander comment accommoder ce récit avec le racisme obsessionnel de l'auteur. Du moins jusqu'à ce qu'on lise ceci, peut-être. Only the brave and adventurous young men of yellow hair and blue eyes who are no kin to the men of Mnar. Peut-être s'en sort-il ainsi, oui.
Un autre aspect éventuellement surprenant concerne la mise en scène de la malédiction en majuscule. Le sort de Sarnath en effet est relativement expédié et en tout cas mystérieux plutôt que spectaculaire. La nouvelle ne se conclut pas sur la scène apocalyptique que l'on pouvait supposer, mais se contente pour l'essentiel d'exprimer, dans son subtilité d'ailleurs, qu'il va se passer quelque chose. Et l'on passe presque aussitôt à un état ultérieur, il s'est passé quelque chose et Sarnath n'est plus. Mais c'est très bien comme ça. The White Ship ensuite, ou le bateau blanc, qui relève également des contrées du rêve, mais avec une approche bien différente. Encore que, la plupart des textes du cycle, après tout, ont quelque chose d'allégorie. Mais c'est une dimension particulièrement marquée dans celui-ci. Il s'agit d'un voyage philosophique, étrangement plus court que dans mon souvenir, au passage, et dont on a pu livrer des lectures relativement pointues. Je me souviens vaguement d'un article de Paul Montelone dans Lovecraft Studies numéro 36 sur une base schopenhauerienne. Ce n'est qu'un exemple. Le narrateur, le héros gardien de phare, monte à bord d'un bateau mystérieux pour naviguer vers des terres inconnues, toutes plus merveilleuses les unes que les autres, jusqu'à ce qu'on les aborde. En fait, il s'agit presque systématiquement de déconvenues, échos d'un passé glorieux qui n'est cependant plus guère palpable. Une exception pourtant, Sonan Hill, escale heureuse où le narrateur demeure longtemps, mais il en part enfin car il est curieux d'inconnu, incarné dans la province censément plus merveilleuse encore de Katuria. Les fantasmes de merveille l'emportent sur les merveilles bien réelles. Bien sûr, il n'aurait pas dû. Car il ne lui sera plus possible de revenir à Sonan Hill, et ne trouvant rien d'autre, il devra retourner à la monotonie de son existence antérieure de gardien de phare. Le récit est très très pompeux dans la forme, sans que ce soit forcément désagréable. Je suppose par contre qu'on peut, ou peut-être même qu'on doit, établir une parenté avec la superbe nouvelle de Dan Sani, Jours oisifs sur le Yann, dans Conte d'un rêveur. Ah non, pas douter, Dan Sani l'emporte haut la main à la comparaison des deux textes. Mais la variation pessimiste au possible de Lovecraft n'est pas inintéressante pour autant, loin de là. Ensuite, une nouvelle dont le titre a beaucoup changé au fil des publications, mais c'est le titre complet, Facts Concerning the Late Arthur Jermyn and His Family, qu'il faut retenir. Pas comme ici, le simple Arthur Jermyn, mais encore moins The White Ape, titre imposé lors de la reprise de la nouvelle d'Umberface et qui avait fait fulminer Lovecraft. En français, on trouve les titres soit Arthur Jermyn, très court, soit un peu mieux, Faits concernant Feu Arthur Jermyn. Tout cela, donc, c'est voilà, ce changement de titre avait fait fulminer Lovecraft, mais pas seulement parce qu'il vendait d'emblée la mèche. À tout prendre, la nouvelle ne vise pas forcément à surprendre le lecteur. Des indices sont semés çà et là, nombreux, qui dénient en fin de compte tout caractère de chute à la conclusion. Or, la nouvelle, au fond, peut paraître risible. Témoignant de l'obsession lovecraftienne de la dégénérescence, elle est imprégnée d'un sous-texte raciste bien de son temps. Mais en même temps, c'est en partie son caractère névrotique chez Lovecraft qui la distingue quand même, et en rend la lecture quand même intéressante, ou du moins instructive. Mais on avouera par ailleurs que dans le genre, Lovecraft fera bien pire, le nadir étant probablement la révision de Sinistre Mémoire, Medusa's Coil, mais il fera surtout bien mieux. Les liens ne manquent pas à simplement remplacer les poils par des écailles avec The Shadow over Innsmouth pour un résultat aussi insidieusement raciste, mais en même temps bien plus convaincant et terrifiant. Il faut de toute façon probablement dépasser ce premier regard pour en tirer d'autres choses plus instructives ou tout aussi emblématiques. Ainsi, le pessimisme désespéré de Lovecraft, nous n'en sommes pas encore à l'indifférentisme cosmique, ou pas tout à fait du moins. En même temps, ce pessimisme s'accorde bien au racisme en tant que philosophie de l'histoire, ne serait-ce que chez un goblinot, au faux air de fatalisme exprimé dès la première phrase, souvent citée, Life is a hideous thing. Blam! Peut-être à mettre en rapport avec sa propre biographie, la folie héréditaire emportant ses deux parents, et dont on trouvera d'autres échos par la suite. Dans ce recueil, on peut citer The Festival, plus tard et surtout donc The Shadow of Innsmouth. Mais cette question de la généalogie morbide va en fait bien au-delà. C'est un thème fondamental dans l'œuvre lovecraftienne. L'éclairer par son racisme, quoi qu'en disent ceux qui ne veulent pas entendre parler de cet aspect du bonhomme et voir rouge dès qu'on l'avance, cela fait sens et sans contredit. Autre aspect essentiel, lié sans doute, le matérialisme et le rôle de la science, avec cette idée qui sera davantage développée encore dans The Call of Cthulhu, dès son célèbre premier paragraphe, d'une science qui rend fou en révélant le monde.
Mais bien sûr, c'est autrement efficace dans cette excellente nouvelle, puisque la révélation ici ne porte que sur la corruption raciale, mais à une échelle microcosmique et même intime. Comme dans Medusa's Coil, la nouvelle n'est au fond terrifiante que pour un raciste, à maints égards. Et c'est sans doute là que brille tout particulièrement, en comparaison, The Shadow of Innsmouth. Par ailleurs, c'est l'occasion d'inscrire ce récit dans la thématique du chaînon manquant, issu des conceptions darwiniennes, et plus encore post-darwiniennes, de l'évolution. Je vous renvoie ce sujet à Michel Murger, qui a écrit un très bon article sur la question dans son Lovecraft et la SF2, article qui, comme de juste, revient abondamment sur la présente nouvelle. Suite des opérations avec les chats d'Ultar, ou en titre original, donc The Cats of Ulsa. Changement radical d'ambiance avec ce petit texte au faux air de fable, avec une touche ironiquement morale pouvant rappeler The Doom That Came to Sarnas, et peut-être aussi de farce. Une très jolie fantaisie macabre qui n'a sans doute guère d'équivalent, voire pas du tout, dans le reste de l'œuvre lovecraftienne. Nouvelle essentielle de ces contrées du rêve qui prennent de plus en plus forme au fur et à mesure que les textes contribuent à leur géographie et à leur mythologie, ce récit, pour être sous haute influence dunsanienne, n'en fait pas moins preuve d'une forte personnalité. Cela pourrait n'être qu'une mauvaise blague, et en même temps un témoignage enjoué de l'amour irrépressible que le gentleman de Providence vouait à la jeune féline, et dont il a maintes fois témoigné par ailleurs. C'est probablement bien davantage, parce que l'auteur y injecte subtilement de la couleur et de l'âme, magnifiant par des allusions sibyllines un cadre qui aurait pu être banal, mais ne l'est finalement en rien. La plume, forcément un peu baroque dans pareil contexte, se montre quand même plus sobre que souvent dans ses récits pour atteindre le délicat et appréciable équilibre entre sublime et grotesque. L'humour, noir et ironique, de ce charmant conte révèle enfin en fiction un caractère qui transparaît sans doute bien davantage dans les lettres de l'auteur, dissipant quelques préjugés qu'on avait de longue date entretenus et auxquels il avait pu contribuer lui-même. Quoi qu'il en soit, Lovecraft, souvent très sévère pour ses propres textes, a toujours gardé une place à part pour celui-ci, un des rares dont il était vraiment heureux, et il le restera jusqu'à la fin, à bon droit. Séléphaïs est une autre nouvelle des contrées du rêve, mais davantage dans la manière habituelle de Lovecraft, et de Lovecraft faisant du Dunsany. On a d'ailleurs pu établir une nette parenté entre cette nouvelle et un conte de l'Irlandais. C'est sans doute une des plus marquantes de ces apologies du rêve dont Lovecraft était alors coutumier, avec une relative ambiguïté qui fait tout le sel de son propos. Mais certaines expressions se montrent très révélatrices, ainsi quand Lovecraft parle de That world of wonder which was ours before we were wise and unhappy, ce qui peut se lire de plusieurs manières, à l'échelle de l'individu comme à celle du monde. Ici, nous avons donc un inconnu dans notre monde qui, à force de rêver, devient dans les contrées du rêve roi de la ville de Séléphaïs sous le nom de rêveur Curanès. Parallèlement, le vrai Curanès, qualificatif évidemment inapproprié, meurt dans notre triste monde, réduit à l'état de mendiant qui se droguait tant et plus pour dormir et rêver. L'histoire fonctionne bien en tant que telle. On peut y relever par ailleurs des éléments intéressants au regard de la mythologie lovecraftienne, ce qui inclut bien sûr Curanès lui-même, à qui Randolph Carter rend visite dans The Dream Quest of Unknown Kadas, et qui, insatisfait comme il se doit, se languit alors de cette terre qu'il méprisait et où il était tout sauf un roi. Mais on peut également s'arrêter à cette sentence: The High Priest, not to be named, which wears a yellow silken mask over its face, and dwells alone in a prehistoric stone monastery in the cold desert plateau of Fang. Ce qui nous conduit là encore à Kadath et au plateau de Lang, bientôt omniprésent, tout en dessinant quelque peu la figure de Nyarlathotep. Attention par contre, il y est fait mention d'Innsmouth, mais c'est un nom emprunté qui ne désigne pas alors la riante bourgade côtière que vous savez. Une bonne nouvelle, oui, dans les réussites de la manière onirique de Lovecraft. Retour sur Terre pour une nouvelle qui, en dépit de sa publication très tardive, 14 ans après sa rédaction et dans un cadre amateur, alors que Lovecraft avait depuis longtemps percé dans les pulps, a connu une étrange postérité, d'autant plus étrange à vrai dire qu'elle est tout à fait médiocre au mieux. Il s'agit de From Beyond, ou sous son titre français, De l'au-delà. Le thème de la perception de la réalité y est à nouveau central, mais cette fois sans ambiguïté philosophique. Le propos affiche d'emblée son matérialisme. La science, cependant, y est toujours portée à soulever le voile, révélant des horreurs sans nom, des éléments déjà classiques, mieux illustrés avant, et qui le seront mieux encore par la suite.
Mais la vraie horreur dans cette nouvelle est ailleurs, à tout prendre, chez le docteur Tillinghast lui-même, le savant fou, et on ne peut plus savant fou, auquel notre narrateur rend une petite visite. Le bonhomme est un maniaque homicide en même temps qu'un paranoïaque achevé. Herbert West est presque davantage crédible, voire plus loin, ceci étant. Quoi qu'il en soit, la nouvelle est bien terne et ennuyeuse, même son outrance fatigue plus qu'elle ne réjouit. À mon sens, tout du moins, l'écho qu'elle a rencontré témoigne sans doute de ce que des avis différents sont envisageables. Sinon, pourquoi Eric Crick l'aurait-il adapté sous le titre L'Invisible, employé pour qualifier l'ensemble de son recueil d'adaptation de Lovecraft en bande dessinée? Et bien sûr, il y a le film de Stuart Gordon, qui a sa réputation chez les bisseux, sans que je n'aie jamais compris pourquoi. C'est un film parfaitement ridicule, certainement pas aussi enthousiasmant que le débile mais jubilatoire Reanimator, ou dans des genres très différents, Dagon ou encore The Dreams in the Witch House. Et sans surprise, on ne trouve pas dans la nouvelle de Lovecraft les séquences fétichistes bandage SM soft du film. Étonnant, non? Suit une bien étrange nouvelle, mais qui s'avère probablement un ratage, The Temple ou Le Temple en français. C'est à vrai dire d'autant plus frustrant que son pitch est très enthousiasmant, qui niche l'horreur dans un sous-marin allemand à la dérive en pleine Première Guerre mondiale. Contexte pouvant évoquer Dagon, et là encore pour un résultat final annonçant The Call of Cthulhu. Mais, et plus encore que pour Dagon, ou dans un autre registre, Beyond the Wall of Sleep, cette comparaison avec le chef-d'œuvre ultérieur nuit au texte original. Tout est là pourtant qui devrait marcher. Le mystère, la claustrophobie, la paranoïa, le passé oublié, la permanence d'une menace cachée, un sentiment de complot amenuisant l'homme de par sa seule existence. Mais la nouvelle se perd régulièrement en route et est sans doute par ailleurs trop bavarde. Au final, malgré tous ces éléments attrayants, on n'en retire pas grand-chose, si ce n'est une satire du patriotisme acharné du brutal capitaine Teuton, tellement outrancière qu'elle en vient à colorer le texte d'absurde. Mais avoir l'opinion de Lovecraft lui-même sur ces questions, on est en même temps tenté de parler de paille et de poutre. Mais c'est là une mauvaise blague juive, hein? The Tree, ou l'arbre. Un court texte un peu à part, même si dans la veine macabre de l'auteur, en raison de son contexte. La Grèce antique, où l'on nous conte l'amitié et la rivalité heureuse de deux sculpteurs. Le contexte fait tout l'intérêt de ce conte, qui à vrai dire évoque plus la manière des contrées du rêve que les autres récits macabres de l'auteur, avec un côté assez lumineux d'ailleurs. Une déception pourtant, car de ce joli cadre, finement mis en place, Lovecraft ne fait en fin de compte pas grand-chose. Les promesses sont là, mais ne sont guère tenues. Dommage. Ensuite, nous avons The Moonbog, ou en français La Tourbière Hantée. On retrouve quelque chose d'un peu plus typiquement Lovecraftien, mais en même temps passablement classique. En fait, The Moonbog n'est pas seulement affecté par la malédiction envisagée plus haut du texte ultérieur qui fera plus ou moins la même chose, mais en beaucoup mieux, ici disons The Rat in the Walls. C'est aussi un texte qui montre combien Lovecraft a pu mûrir après coup pour développer ses propres thématiques dans un cadre qui n'a plus que l'apparence de la banalité. Cela dit, Lovecraft ne croyait probablement pas suffisamment à ce texte pour s'y appliquer vraiment. C'était plus ou moins une commande, au sens où il a été écrit à l'arrache pour une rencontre de journalistes amateurs sur le thème de la Saint-Patrick, d'où ce cadre irlandais, guère approfondi par ailleurs. La nouvelle n'est pas forcément mauvaise, mais elle est terne. Plus tard, The Rat in the Walls, donc, en usant de principes relativement similaires, au moins dans la mise en place, s'avérera non seulement plus réussi, mais aussi plus personnel, les deux dimensions se renforçant l'une l'autre. Inutile donc de trop s'attarder sur ce brouillon. Nous avons ensuite The Nameless City, ou en français La Cité sans nom. Et voici un texte autrement important. S'il convainc plus ou moins par lui-même, il contient par contre nombre d'éléments qui méritent qu'on s'y attarde, car il dessine, sans doute inconsciemment, des contours essentiels de l'œuvre à venir. Bien sûr, le plus flagrant de ces aspects est une mention qui aurait pu être anodine. C'est en effet la première apparition d'Abdul Al-Azred, le poète fou, que l'on n'associe pas encore au Necronomicon, mais dont on cite déjà le fameux distique That is not dead which can eternally lie, and with strange hands even death may die. Mais la nouvelle préfigure le mythe par d'autres moyens. Bien sûr, il y a l'idée de cette civilisation préhumaine, thème qui sera bientôt essentiel dans l'œuvre lovecraftienne, mais qui était sans doute dans l'air du temps. L'odyssée chthonienne du narrateur, pourtant, et même si elle peut évoquer en partie d'autres textes, de Dunsany, on y trouve d'ailleurs des références un peu à ambiguë aux contrées du rêve, notamment à Sarnath et Ibn Nahr, même si la nouvelle est spécifiquement située en Arabie,
ou d'Edgar Rice Burroughs. Lynn Carter évoque aussi Edgar Poe, mais bon. Et tout cela a quelque chose de jusqu'au boutiste qui singularise la nouvelle. La part de récit en même temps est limitée. Dans ce texte, comme dans un certain nombre d'autres, le propos tient plus de la vision hallucinée, de source onirique semble-t-il, que de la narration construite. Mais l'idée d'étudier la civilisation disparue au travers des fresques qu'elle a laissées, et qui témoignent déjà en elles-mêmes d'une histoire millénaire, fait quelque peu figure de préfiguration, avec beaucoup d'avance, de la progression de Dyer et Danforth dans La Cité des choses très anciennes, dans At the Mountains of Madness. En ce sens, ce texte compte et inaugure plus ou moins ce procédé si lovecraftien des vertigineux abîmes du temps, appuyant d'autant plus sur l'insignifiance d'un homme qui n'a pas la moindre idée du monde où il a le hasard de vivre. Avec The Other Gods, en français les autres dieux, retour et sans ambiguïté cette fois aux contrées du rêve et à l'influence affichée de Dan Sani. Les références abondent à la géographie et à la mythologie de ces terres oniriques. Peut-être tendent-elles même à la systématisation cette fois? La nouvelle en tout cas reprend le dispositif ironiquement moral que l'on avait déjà eu l'occasion de croiser dans ce genre de conte. L'hubris du prétendu sage, qui se sait digne de voir les dieux mais a le malheur de tomber en fait sur d'autres dieux, les autres dieux, va presque de soi, mais l'atmosphère est joliment composée et le résultat s'avère convaincant. L'édifice se construisant au fur et à mesure, on trouve dans ce texte plusieurs éléments qui seront réemployés dans les autres récits oniriques, et tout particulièrement The Dream Quest of an Oncadas, ou même ailleurs. Sur le plan anecdotique, cela vaut pour les sept livres cryptiques de San qui apparaissent ici en même temps que réapparaissent les manuscrits nakotiques. Sur un plan plus global, l'idée de ces autres dieux, ne serait-ce que dans sa formulation, est promise à un brillant avenir. Un contrée du rêve encore avec The Quest of Hiranand, ou La Quête d'Hiranand en français. Un autre titre du cycle où les références abondent à Polaris, The Doom That Came to Sarnas, etc., mais dans une toute autre veine et qui s'avère probablement plus subtil qu'il n'y paraît au premier abord. À première vue, on pourrait y voir une reprise de thèmes anciens, ceux de la veine allégorique et apologétique qui avait donné notamment The White Sheep et Séléphaïs, plutôt dans le même recueil. Dans l'optique récurrente de ce compte rendu, on pourrait alors être tenté d'établir des passerelles avec des textes ultérieurs, ceux mettant en scène Randolph Carter et au premier chef The Silver Key et The Dream Quest of an Oncadas. Mais en fait, non. Pour deux raisons au moins. D'une part, le caractère allégorique est ici plus subtil. Il apparaît, mais sous une couche de récit qui rend le propos moins abstrait et probablement plus séduisant tout à la fois. D'autre part, parce que la quête onirique ici s'avère parfaitement vaine dès le départ, si l'on ne l'admet pleinement qu'à la fin. Il ne s'agit même pas du retournement ironique des récits de Démons et Merveilles. L'approche est ici plus sombre et l'accent est mis sur le pouvoir déceptif du rêve. Il y avait quelque chose du genre dans The White Sheep, sans doute, mais l'effet est autrement plus marqué ici. Le rêve n'est plus libérateur. Peut-être l'a-t-il été, mais that night something of youth and beauty died in the other world. Lovecraft voulait croire à la valeur intrinsèque du rêve, ou du moins est-ce ce que l'on peut supposer à lire ses textes antérieurs. Si son allégorie du bateau blanc traduisait déjà la possibilité pour l'homme d'être trompé et en définitive vaincu par ses fantasmes, ici le discours est autrement dépressif et lucide, car il s'applique au monde dans son entier. Oserait-on dire réaliste alors? C'est en même temps ce qui fait de cette nouvelle une réussite, et non une simple variation sur un thème classique. On poursuit avec un texte bien différent, Le jour et la nuit même, s'il s'agit de Herbert West Reanimator, ou en français Herbert West Réanimateur. De toutes les nouvelles de Lovecraft, peu ont une réputation aussi exécrable. Steve Joshi va jusqu'à dire qu'elle est unanimement considérée comme la pire de toute l'œuvre du Gentleman de Providence, mais je n'en suis pas pour ma part convaincu, et Joshi, de toute façon, emploie sans doute un peu trop facilement des expressions telles que unanimement. Surtout depuis cette relecture, en fait, surprise, mais c'était nettement moins mauvais que dans mon souvenir. Bon, c'est pas glorieux pour autant, hein. Faut dire que Lovecraft pouvait difficilement être à l'aise avec un sujet pareil, s'affichant d'emblée comme un remake éventuellement parodique du Frankenstein de Mary Shelley, roman qu'il appréciait beaucoup par ailleurs, et à juste titre, il y consacre quelques paragraphes dans Supernatural Horror in Literature, plus loin dans ce même recueil. Pour la forme, on peut créditer Lovecraft d'avoir glissé dans son texte autrement laborieux des vrais morceaux de zombies scientifiques, à la manière des infectés auxquels le cinéma nous a habitués post-Romero. Pour le reste, la première apparition d'université miskatonique à Arkham, pas grand-chose.
Clairement, ce projet n'était pas pour Lovecraft, formellement pas davantage que dans le fond, même si à cet égard on peut relever un certain nombre de nouvelles de Lovecraft tournant autour de la mort et de son éventuel contournement par la science. La nécessité de découper ce récit en chapitres d'égale durée à peu près et s'achevant systématiquement sur un cliffhanger, ceci afin de publier le bousin en céréales, c'était le meilleur moyen de s'aliéner l'auteur. Il se met cependant à la tâche et il en résulte ceci de passablement laborieux. Un peu plus tard, la même histoire se répétera peu ou prou pour The Lurking Fear, texte guère plus convaincant, cependant autrement personnel. Cette structure en épisode est en effet problématique. Lovecraft n'est visiblement pas à l'aise avec cette approche, et s'il s'exécute, parce qu'on le lui a demandé et qu'il n'a pas su dire non, c'est en peinant visiblement sur la chose. En résulte un texte trop long, probablement le plus long que Lovecraft ait jamais écrit jusqu'alors, et très 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 répétitif, je dirais même très 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 répétitif. Mais moins mauvais que dans mon souvenir. Sans doute parce que j'ai davantage perçu maintenant des traits délibérément humoristiques dans le récit. Lovecraft, confronté à son calvaire, semble vouloir sauver le temps qu'il passe dessus en le dynamitant à coups de traits on ne peut plus excessifs qui achèvent de faire de son récit une parodie. Alors ça ne brille pas, hein, mais c'est quand même assez rigolo. Et nous avons ensuite The Hound, ou en français le Molosse. Et là, je me pose des questions. Ce texte est-il si meilleur que Herbert West Reanimator? Je n'en suis pas tout à fait certain, même si le texte est souvent sauvé pour la seule et unique raison qu'il contient la première référence au Necronomicon. Si peut-être une autre chose quand même, mais dans l'excès là aussi. Cette nouvelle histoire de profanation de sépulture appuie plus que jamais sur la dimension décadente. Un Baudelaire ou un Huitemans semblant légitimer ce genre de vie hors norme. La profanation de sépulture en est peu ou prou un trait essentiel. D'où cette bizarre collection qu'entretient notre couple masculin de protagonistes. Humour, espérons, c'est assez probable en fait, mais tout de même très très convenu. Hypnos est dans la même veine, et probablement un peu plus intéressante, sans casser des briques pour autant. Mais on y retrouve bien le délire décadent figuré dans la vie hors norme d'un nouveau couple masculin. L'idée de base est chouette, celle de cet homme qui est progressivement terrifié par le sommeil, au point de tout faire pour repousser l'endormissement, jusqu'au moment où il n'a d'autre choix que dormir. Et là, remarque débile au passage, il y a quelques années de cela, j'avais écrit un machin sur un canevas en fait très similaire. Mais ne me souvenais pourtant pas le moins du monde de Hypnos, promis, juré. À moins que mon inconscient. Bon, bref, revenons à Lovecraft. La nouvelle est probablement moins convenue que celle qui précède. Mais elle ne brille pas pour autant. Dans un cadre pareil, l'emphase aussi poussée sonne faux et un brin puéril. Et le jeu sur l'indicible, plusieurs nouvelles s'enchaînent ici qui jouent frontalement de ce thème, non sans humour le cas échéant, ne fonctionne pas vraiment. Sans doute parce que Lovecraft se contente de balancer le terme ça et là. Il sera autrement plus intéressant par la suite quand ses textes joueront le jeu ambigu de l'affirmation du caractère indicible de l'événement rapporté, là où le texte ne tentera que davantage de dire pourtant. C'est là, au fond, le véritable indicible lovecraftien. Mais il n'en est pas encore là. C'est une occurrence de l'outil fictionnel du narrateur non fiable, sinon pas grand-chose à en retenir. Suit The Lurking Fear, en français La peur qui rôde. Composé peu ou prou dans les mêmes circonstances que Herbert West Reanimator, et pour la même revue, The Lurking Fear pâtit des mêmes obligations concernant le sérial. Le rédacteur en chef résumait chaque fois les épisodes précédents au cas où, ce qui soulageait un peu l'auteur, mais la nouvelle demeure assez répétitive. Son principal problème est peut-être ailleurs, encore qu'il en découle probablement. C'est d'un côté un peu patchwork, le récit manque de vrai liant. Il en résulte cependant quelques jolies scènes, ou plus précisément des images fortes, tout particulièrement dans les cliffhangers arborés en fait. Mais la nouvelle bénéficie peut-être surtout du joli cadre des montagnes Catskills avec leurs habitants dégénérés. Mais il y a des degrés dans la dégénérescence. On est en plein dans la thématique Lovecraftienne sur la question, la dévolution ou l'atavisme y étant plus radicaux que jamais. Peut-être faut-il y voir une mise en application des principes exposés au début de The Picture in the House, vantant les délices d'horreur que l'arrière-pays de la Nouvelle-Angleterre est à même de procurer au True Epicure and the Terrible. À terme, cela débouchera notamment sur The Color Out of Space ou The Dunwich Horror. C'est probablement le principal atout de ce texte, autrement assez bancal, et sans doute trop abstrait, jusque dans ses moments les plus délibérément grotesques. On passe à The Festival, le festival en français.
Voilà quelque chose de bien plus intéressant en ce qui me concerne. Une nouvelle qui ne se contente pas de valoir pour ce qu'elle annonce, essentiellement The Shadow of Innsmouth, mais qui se tient déjà très bien en elle-même. La scène est à Kingsport, inspirée par Marblehead, un périple sur place et directement à l'origine de la nouvelle, où le narrateur se rend à Noël, ou plutôt Yuletide, je sais pas comment on dit, pour obéir aux traditions de sa lignée, dont il ne sait visiblement pas grand-chose, et découvrir ce qu'est au juste sa famille, et donc dans cette perspective, ce qu'il est lui-même sera passablement traumatisant. Ce résumé montre bien, je suppose, la parenté entre ce texte et The Shadow of Innsmouth. L'approche est pourtant différente. Il n'y a rien ici de la fuite haletante du touriste poursuivi par les hybrides et les profonds. C'est vraiment dans le thème que le lien est flagrant. Mais c'est aussi peut-être ce qui singularise ce premier texte et évite, pour qui a d'abord lu The Shadow of Innsmouth, de reléguer The Festival au seul rang de brouillon. Car la nouvelle parle pour elle-même et exprime à sa manière d'autres veines du cauchemar, plus abstraites peut-être, plus poétiques sans doute. On a parfois fait de cette nouvelle une des premières que l'on puisse rattacher au mythe de Cthulhu. À supposer que cela fasse sens, je n'ai pas vraiment envie de trancher la question. Ce qui compte, c'est que c'est une très bonne nouvelle. Pour l'anecdote, dans cette lignée, on peut éventuellement s'interroger sur le rôle ici d'un masque de cire. Faut-il y voir également une préfiguration de The Whisper into Darkness? On retourne à quelque chose de bien plus anodin avec The Unnameable, en français l'indicible. Anodin, mais pas dénué d'humour. En fait, la dimension parodique est sans doute essentielle au début du texte, qui joue un jeu passablement hypocrite, mais aussi assez réjouissant, quelque part entre l'autocritique et la déclaration d'intention. À la façon de The Picture in the House, encore une fois. Car le personnage de Carter, ainsi désigné, on peut supposer qu'il s'agit de Randolph Carter, héros de Démons et Merveilles, que cela importe vraiment ou pas, prise l'indicible, là où son compagnon, dans ce cimetière, fait preuve d'un matérialisme aux antipodes de la position philosophique de Lovecraft. C'est là un matérialisme de puritain qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, qui se veut pragmatique mais n'est que prosaïque. Puis la nouvelle change du tout au tout quand Carter se met à narrer à son camarade une histoire étrange, une fois de plus à base de généalogie morbide. Comme avant, dans Facts Concerning the Late Arthur Jermyn and His Family ou The Locking Fear, comme plus tard dans The Shunned House ou The Case of Charles Dexter Ward, mais avec beaucoup moins d'à-propos. Sans doute la dimension parodique est-elle toujours présente à ce moment du récit, pourtant. Bien sûr, par la suite surgit l'indicible, qui, à cette époque de l'œuvre lovecraftienne, et tout particulièrement dans ce texte qui se veut humoristique, est parfaitement indicible. Comme avancé plus haut, je tends à croire que c'était plus ou moins une fausse piste, en tout cas bien éloignée de l'usage ultérieur de l'indicible, autrement pertinent et subtil, qui consistera malgré tout à dire ce qui ne peut pas l'être. En l'état, The Unnameable en reste au stade de la mauvaise blague, d'abord amusante, ensuite assez terne. Ensuite, nous avons Imprisoned with the Pharaohs, c'est un des titres anglais, on trouve également Under the Pyramids ou Entombed with the Pharaohs. En français, généralement, on le rend par Prisonnier des Pharaons. C'est un texte étonnant, et je ne suis pas bien sûr de ce qu'il faut en penser au juste. Les circonstances de sa création auraient tout pour reléguer cette commande au même statut que Aberwest Reanimator, mais d'aucuns ont voulu mettre l'accent sur certaines qualités qu'elle présente pourtant. Je n'en suis pas très convaincu moi-même, encore qu'il y ait bien quelques bons moments, mais sur le tard. L'humour du texte me parle en effet davantage, et c'était pourtant un jeu dangereux de la part de Lovecraft. Avec Imprisoned with the Pharaohs, Lovecraft a joué à l'auteur professionnel, ce qu'il ne prisait guère, car il s'agit dès le départ de bien plus que d'une simple révision, même si certaines révisions, notamment celles pour The Earlier Bishop, sont en fait très comparables à cet égard. Il s'agit d'un travail de nègre, j'adore employer ce terme pour Lovecraft, mais vous pouvez préférer le terme anglais, ghostwriter, sans doute plus à propos le concernant. Un travail de nègre donc de la première à la dernière ligne, une commande de J.C. Enberger pour Weird Tales, désireux de s'associer le célèbre prestidigitateur Harry Houdini en ces temps de vache maigre. La nouvelle est entièrement écrite par Lovecraft, mais paraît sous le seul nom de Harry Houdini. Il faudra attendre 1939, soit après la mort des deux bonshommes, pour que la nouvelle soit attribuée à Lovecraft. Celui-ci a clairement écrit cette nouvelle pour l'argent, il ne lui avait jamais proposé autant. Il a même, anecdote fameuse, sacrifié sa lune de miel pour la rendre à temps, sa jeune épouse tapant sous sa disquette, le texte malencontreusement perdu. Bizarrement, la nouvelle a pourtant été plutôt bien reçue et elle a même plu à Houdini.
au point où le prestidigitateur a cherché à s'associer Lovecraft pour d'autres projets, dont les 16 Cancer Superstition, dont on a pas mal parlé ces derniers temps, mais qui devait rester inachevé du fait de la mort précoce du magicien. L'essai, sans doute, montrait davantage ce qui pouvait rapprocher Houdini et Lovecraft, bien plus en tout cas que cette nouvelle autant étrange, car on sent régulièrement derrière la plume un auteur pas très à l'aise avec son job. Le point de départ est de toute façon farfelu, puisqu'il s'agit de mettre en scène à la première personne le prestidigitateur, dont l'activité consistant à démasquer les charlatans n'était pas la moindre. C'est sans doute ce qui le rend intéressant d'ailleurs, même pour Lovecraft si ça se trouve. Pourtant, l'histoire, comme il se doit dans Weird Tales, vire en définitive à l'étrange et même au fantastique. Très franchement, je me demande comment le lectorat dans son ensemble a accueilli un texte aussi invraisemblable. D'autant qu'il se montre lentement, laborieux. La scène est en Égypte, forcément, pays où, bien sûr, Lovecraft n'a jamais mis les pieds. Il construit donc les premiers temps de son récit, assez long au regard de sa production habituelle à cette époque, Baedeker en main, pour un résultat des plus factices. Houdini, qui n'est d'ailleurs pas présenté sous un jour très favorable, même à la première personne, il se montre régulièrement arrogant, éventuellement méprisant, toujours désireux de se mettre en valeur. Houdini donc succombe sur la grande pyramide de Khéops à un complot improbable conçu par un étrange guide dans lequel il tient à tout prix à reconnaître le pharaon Khéphren, associé à la reine Ghoulnitocris, et donc le sphinx. Enfermé dans un labyrinthe souterrain, notre maître de l'évasion n'a plus qu'une chose à faire, s'évader. C'est aussi gratuit que lourdingue. Et ce qui pourrait réjouir et fasciner sur une même scène de music hall ne fonctionne pas très bien en prose. Mais le texte progressivement prend alors une autre tournure, non sans humour sans doute. Le magicien, en parfaite caricature de héros lovecraftien, s'évanouit 3 ou 4 fois à la suite. J'ai du mal à croire que Lovecraft n'ait pas rédigé ce genre de scène un sourire carnassier aux lèvres. Mais le plus étonnant est sans doute que le prestidigitateur, bien loin de lui en tenir rigueur, a apprécié son texte. Il est vrai que c'est après cette succession d'évanouissements que la nouvelle prend une tournure véritablement lovecraftienne. Nouvelle variante de l'Odyssée chthonienne sous le sable du désert, après The Nameless City, et qui aboutit à la vision hallucinée de momies hybrides entre l'homme et l'animal en marche. Hippopotami should not have human hands and carry torches. Men should not have the heads of crocodiles. Ah, certes. Reste cependant une dernière vision, celle d'une étrange créature à 5 membres, jusqu'à ce que Houdini réalise qu'il ne s'agit que d'une gigantesque patte d'une autre créature de dimension inconcevable. Mais bon, c'était un rêve, hein, forcément. Globalement grotesque tout de même. Au sens rigolard, sans doute, mais seul l'humour me paraît devoir être préservé de ce projet passablement improbable. Pour l'anecdote, Robert Bloch a pu s'en inspirer, lui qui a commis plusieurs nouvelles lovecraftiennes dans un cadre égyptien, qu'on lira par exemple dans Les Mystères du Verre. Suit He, en français lui, nouvelle en tant que telle sans grand intérêt, qui ne fait vraiment sens qu'au regard de la biographie de Lovecraft. À vrai dire, sa première page souvent citée relève purement et simplement de l'autobiographie, même pas déguisée. My coming to New York had been a mistake. Le narrateur, évidemment originaire de Nouvelle-Angleterre, dit en quelques paragraphes combien son expérience new-yorkaise s'est avérée désastreuse. Après un premier temps d'illusion féerique, où la cité, plutôt que de paraître tentaculaire, si j'ose dire, l'émerveillait à la manière de prestigieuses villes antiques ou de leur recréation onirique par un Dunsany. Mais c'était une erreur, donc. La ville, au fond, est ignoble, elle est insupportable, et d'ailleurs, elle grouille d'étrangers. La nouvelle a semble-t-il été composée après une nuit blanche passée à arpenter la ville, ce qui peut expliquer, passé ses premiers paragraphes, sa relative pauvreté. La catharsis initiale en fait tout l'intérêt. Lovecraft conçoit alors plusieurs récits dans ce sens, dont bien sûr celui qui suit immédiatement The Hour at Red Hook. Après quoi le narrateur rencontre un personnage extrêmement pompeux et désagréable qui a tout, et pour cause, d'un anachronisme sur pattes. Tous deux forment un temps une nouvelle variation sur le couple masculin que nous avons régulièrement croisé, tout particulièrement dans les nouvelles d'inspiration décadente. La méchanceté et la folie de celui, hélas, ne sauvent pas la nouvelle, qui tente vainement d'acquérir du caractère en injectant de toute force un récit dans ce qui aurait peut-être gagné à demeurer un poème en prose, traitant de l'inadéquation du gentleman narrateur à la mégalopole grouillante et sans âme. Et nous poursuivons avec The Horror at Red Hook, ou Horreur à Red Hook en français. Composée à la même époque que He et usant pour partie des mêmes thèmes, cette nouvelle se coltine la fâcheuse réputation d'être une des nouvelles les plus racistes, ou xénophobes si l'on entend viser plus large, jamais commises par Lovecraft.
ce qu'elle est probablement, même si dans ce même recueil nous lirons bien pire ultérieurement avec The Street. Pour autant, il ne faudrait pas forcément reléguer ce texte dans l'enfer des écrits lovecraftiens infréquentables, car si cette nouvelle ne fonctionne sans doute pas très bien, peut-être tout particulièrement en raison de sa dimension policière avec laquelle l'auteur n'était sans doute pas très à l'aise, elle contient cependant des éléments qui méritent d'être notés, et qui, s'ils ne la sauvent pas forcément, en font pourtant plus qu'un document à réserver aux exégètes avertis. Peut-être d'ailleurs faut-il quelque peu dépasser cette sinistre réputation? La nouvelle est indubitablement raciste, oui. Mais le problème est peut-être avant tout qu'elle se montre assez frontale à cet égard. Une nouvelle aussi prestigieuse que The Call of Cthulhu est-elle vraiment moins raciste, et donc plus fréquentable? Je n'en suis pas tout à fait certain. Bien sûr, The Call of Cthulhu est un chef-d'œuvre, ce que n'est certainement pas The Aurora Theduc. Pourtant, la comparaison fait sens, car sur bien des points, l'enquête policière de Thomas F. Malone dans l'infect quartier de Red Hook annonce la corrélation de documents au cœur de The Call of Cthulhu, nouvelle écrite seulement un an plus tard. On n'associe généralement pas The Aurora Theduc au mythe de Cthulhu et à bon droit, mais il me semble qu'il y a bien dans ce texte de sinistre mémoire une préfiguration notable de la suite, ne serait-ce qu'au travers de sa focalisation sur un culte impie pratiquant la magie, qui trouve tout naturellement à prospérer au milieu des populations immigrées, en ceci guère différente des adorateurs dégénérés, nègres ou inuits, de The Call of Cthulhu. Les deux nouvelles sur cette base brodent sur des conspirations mondiales finalement très similaires, autant de menaces qu'un monde essentiellement étranger adresse à la sérénité aveugle des Wasps. Enfin, il faut bien sûr retenir de ce texte, comme pour He donc, une dimension de catharsis, même si elle s'exprime différemment. Le narrateur de He n'était certes guère tendre avec New York et ses infernaux immigrés, mais dans The Aurora Theduc, plus de chichi. Ce sont la haine et la peur qui s'expriment à plein et en même temps irrépressiblement corrélées, ce qui rend le texte d'autant plus dérangeant, en tant que témoignage sur le vif et sans précaution d'enrobage, d'une phobie d'essence névrotique. Le lecteur peut s'en tenir au dégoût ou se pencher sur le cas clinique, disons. Et il y a sans doute de quoi en tirer des choses intéressantes. Pour un Alan Moore dans Providence, par exemple. Tout autre chose avec The Strange High House in the Mist ou L'étrange maison haute dans la brume. Nous retrouvons ici Kingsport avec un lien très fort établi notamment avec The Terrible Old Man, tiens, en parlant de nouvelles racistes d'ailleurs, et tout à la fois les contrées du rêve, tout particulièrement The Other Gods. Mélange à vue de nez aussi étrange que la maison qui en est l'occasion, voire casse-gueule, comme l'est sans doute cette maison encore, isolée sur une falaise et donnant sur d'autres mondes. Pourtant, cela fonctionne bien, et si le récit en lui-même n'est pas forcément très palpitant, l'ambiance est joliment réussie, ce qui fait de ce texte un bel exercice d'équilibre entre le rêve et le cauchemar, et sublime la terreur dans ce qu'elle comporte à la fois d'angoisse et de fascination. Difficile d'en dire davantage. Au fond, j'aime cette nouvelle davantage comme un poème en prose que comme un récit. Une note au passage, on y évoque le dieu Nodens, pas de création lovecraftienne, c'est à la base une divinité celtique, que l'on retrouvera aussi dans The Dream Quest of Unknown Kadath. Hélas, ce satané Derleth se fondera sur ces deux occurrences bien innocentes pour développer son panthéon de dieux bons face aux divinités du mythe de Cthulhu. C'est une des pires violations qu'il a infligées à l'œuvre lovecraftienne. Enfin, nous avons In the Walls of Eryx, ou Dans les murs d'Eryx. C'est alors là, sacrée surprise en ce qui me concerne. À parcourir le sommaire, j'avais été intrigué par ce titre, qui ne me disait absolument rien. Mais bon, j'avais oublié plein de choses. Lire la nouvelle, cependant, m'a procuré un putain de choc. Je ne m'en souvenais donc pas, mais un truc pareil, j'aurais pourtant dû m'en souvenir. À voir la bibliographie française concernant cette nouvelle, je me rends compte que je n'aurais pu la lire que dans le tome 2 des œuvres de Lovecraft, en Robert Laffont bouquin. En fait, pour une raison que j'ignore, j'avais dû faire l'impasse dessus à l'époque et ne jamais y être revenu. Je vois mal en effet comment j'aurais pu aussi totalement oublier un texte aussi détonnant dans la bibliographie lovecraftienne, car il s'agit d'un pur texte de science-fiction, et pas au sens éventuellement lovecraftien que l'on a pu employer notamment pour The Color Out of Space, At the Mountains of Madness ou The Shadow Out of Time. Non, de la SF, on ne peut plus SF. La nouvelle se passe sur Vénus, où un vaillant astronaute, avec un simple masque à gaz, bon, explore des ruines extraterrestres, ersatz de pistolets laser en main, pour se protéger de la fourbe faune indigène. Bon, cela ne pouvait pas être du Lovecraft pur, sans doute. Bien que figurant dans ce recueil, In the Walls of Eryx peut être qualifié de révision. Il s'agissait de retravailler un texte soumis par le jeune Kenneth Sterling. Finalement, la nouvelle ne sera publiée qu'en 1939, et donc après la mort de Lovecraft, les noms des deux co-auteurs étant accolés.
Mais puisque nous en sommes aux dates, il faut relever que cette révision a été effectuée en janvier 1936. Lovecraft mourait à peine un peu plus d'un an plus tard, c'est une des dernières nouvelles qu'on lui connaisse. On suppose aujourd'hui que le texte est essentiellement de Lovecraft, mais l'idée de base vient bien de Sterling. Nous y voyons un explorateur de Vénus, donc planète largement tropicale ici, tombé malencontreusement sur le cadavre d'un de ses semblables, isolé de lui cependant par une sorte de muraille invisible. En fait, il y a toute une structure invisible autour de lui, un véritable labyrinthe. À partir du postulat SF, la nouvelle vire donc à l'horreur, ou du moins à l'angoisse, en témoignant à la première personne, notre astronaute a un carnet de notes, de sa quête désespérée d'une sortie, tandis que les Vénusiens, non loin, ricanent devant sa panique, jouissant de ce spectacle façon mime macabre, et vous savez très bien ce qu'il est d'usage de dire, confronté à ces abominations que sont les mimes. En fait, cela fonctionne assez bien. Je n'attendais vraiment pas Lovecraft dans ce registre, et maintiens, je n'avais jamais lu cette nouvelle avant, sans quoi je m'en serais rappelé. À noter, pour la forme, si le ton de la nouvelle est très sérieux, Lovecraft, comme il en avait parfois l'habitude, a semé quelques gags dans le texte, des allusions moqueuses à Forrest J. Ackerman, Farnsworth Wright et Hugo Gernsback, autant de personnages qu'il n'appréciait guère. Et reste un dernier texte un peu à part. Comme mentionné plus haut, The Evil Clergyman, ou en français, le clergyman maudit, parfois démoniaque clergyman, n'est pas à proprement parler une nouvelle de Lovecraft. Il s'agit d'un rêve qu'il racontait à son correspondant Bernard Austin Dwyer dans une lettre datée de 1933. Ce passage en a été extrait, par qui? Pour être publié en 1939 dans Weird Tales, 2 ans après la mort de l'auteur donc. Certes, le récit pourrait en tant que tel constituer une nouvelle, mais c'est bien d'un rêve qu'il s'agit. Lovecraft en a recyclé un certain nombre, avec plus ou moins de réussite, mais surtout dans une période antérieure de son œuvre. Or ici, nous sommes en 1933, et le texte n'est clairement pas dans la manière lovecraftienne d'alors. Par ailleurs, il ne l'aurait jamais livré tel quel. Il fallait le recycler ou, si vous préférez, l'adapter pour en faire pleinement une nouvelle. Nous ne savons pas si telle était son intention. C'est peu probable, cela n'a rien donné dans les 4 années qui lui restaient à vivre, après tout. Nous savons encore moins ce qu'il en aurait fait au juste, le cas échéant. En attendant, il s'agit d'un rêve relativement brut de décoffrage. Il y a bien une forme de récit, mais la vision prime, somme toute assez convenue. Pas grand-chose de plus à en dire. Placer ce texte ici, et aux côtés de toutes ces nouvelles achevées, n'en est que plus douteux. Quoi qu'il en soit, c'est bizarrement avec ce bonus que s'achève la première et de très loin la plus longue partie de ce recueil. Pour autant, il reste en fait encore quelques fictions à envisager et surtout un fameux essai. Et on en arrive donc plus ou moins aux annexes du recueil, avec tout d'abord 5 nouvelles assez courtes présentées par Auguste Derleth sous la désignation Early Tales. Elle n'est pourtant guère appropriée à y regarder de plus près. En effet, seuls les 2 premiers de ces 5 textes sont antérieurs à Dagon, qui ouvre la partie essentielle du recueil. Étrangement, ces 2 nouvelles sont les seules à pouvoir mériter le qualificatif Early Tales. Mais elles sont aussi probablement les meilleures des 5. Les 3 qui demeurent, dont une collaboration, ce qui n'est pas précisé ici, datent en fait de 1919-1920. Notons au passage qu'il existe en fait d'autres Early Tales antérieures, et pour certaines d'entre elles publiées. Mais ce sont pour l'essentiel d'un gaminerie qui n'ont en tant que tel aucun intérêt. On n'attend pas d'un auteur de 7 ans qu'il commette des chefs-d'œuvre impérissables. Mais est-on en droit d'attendre d'un auteur de 14 ans qu'il commette des chefs-d'œuvre impérissables? Probablement guère davantage. Mais à cet égard, The Beast in the Cave, ou La Bête de la Caverne chez nous, que l'on peut considérer comme la première véritable nouvelle de Lovecraft, s'en tire étonnamment bien, au point que 13 ans plus tard, Lovecraft a jugé qu'elle pouvait décemment être publiée dans un journal amateur. Bien sûr, Lovecraft n'est pas encore Lovecraft. À l'époque, son style est peut-être encore plus affecté qu'ultérieurement, si c'est possible, et forcément maladroit. Quant à l'histoire, on peut la juger relativement convenue. Ceci étant, pour l'œuvre d'un ado, c'est quand même pas mal du tout. Et surtout, on est tenté d'y voir des préfigurations de l'œuvre ultérieure, de l'œuvre à proprement parler. Il s'agit après tout déjà d'une nouvelle d'horreur, dans un cadre souterrain évocateur, une grotte que visite un touriste qui a la mauvaise idée de s'égarer. Et l'horreur finale est déjà imprégnée de ce mélange de survivance antédiluvienne et de dévolution hideuse qui caractériseront un bon nombre des fictions lovecraftiennes par la suite. Sans briller, ce n'est pas un simple document pour autant, et ça se lit bien. La suite des opérations a lieu quand Lovecraft est âgé de 17 ou 18 ans. Il livre alors, avec The Alchemist, l'alchimiste, une autre nouvelle fantastique, peut-être moins personnelle, néanmoins pas mauvaise.
Le théâtre est une France de carton-pâte. Le narrateur, issu d'une vieille famille noble, évoque la malédiction qui a frappé tous ses ancêtres, mourant tous au plus tard au même âge, depuis qu'un de ces vieux contes a eu la mauvaise idée de s'en prendre à un sorcier un peu trop voyant. La nouvelle est globalement très prévisible, et le cadre, absolument pas maîtrisé, en rend sans doute la lecture quelque peu amusante, a fortiori pour un Français, qui appréciera de se retrouver confronté à des personnages ayant le bon goût de s'appeler mauvais ou le sorcier. Erreur de jeunesse sans doute. Ceci étant, on peut fermer les yeux sur ses travers, et considérer la nouvelle pour ce qu'elle est au fond, un texte assez correct, et probablement prometteur, où l'auteur nous montre peut-être déjà un peu plus habile en termes de style et, disons, de mise en scène. Là encore, Lovecraft n'a pas rechigné à publier la nouvelle des années plus tard, cette fois dans The United Amateur, l'organe officiel de son association de journalisme amateur. Pourtant, l'alchimiste, une fois achevé, il s'écoulera pas loin d'une dizaine d'années avant que Lovecraft ne se remette à la fiction, avec Dagon, The Tomb, etc., ce qui nous renvoie au début de ce recueil. Les textes qui suivent sont donc en fait postérieurs à cette résurrection en tant que nouvelliste. Tout d'abord, Poetry and the Gods, ou en français La poésie et les dieux, publié sous le pseudonyme de Henry Page Otlow en collaboration avec Anna Helen Crofts. Un texte bien étrange, et avec ici un paratexte pour le moins lacunaire, et c'est fâcheux, puisqu'il s'agit donc d'une collaboration. On ne nous dit rien de tout ça dans cette édition. Difficile à maints égards d'inscrire ce texte dans l'œuvre Lovecraftienne, notamment parce que l'horreur n'est pas de la partie. Le récit, si récit il y a vraiment, est centré sur une femme. Hein? Quoi? Allons bon, merci la co-auteure. Et à la passion dévorante pour la poésie. Dans une sorte d'épiphanie parfaitement grotesque, elle a la vision de dieux et de poètes, l'idée étant que les poètes, par leur art exquis, ramèneront un jour les dieux antiques. Mouais. Et la jeune femme? Eh bien, elle épousera un grand poète. Youpi! Non, pas très Lovecraftien tout ça. Même si le thème poétique n'est certes pas absent des récits des contrées du rêve, où la pompe sera toujours de mise. Mais avec plus d'à-propos. Ici, c'est quand même passablement lourdingue. La question que je me pose, sans oser avancer de réponse, c'est la part de la sincérité et de la parodie dans cette bizarrerie. La parodie me paraît plus que plausible dans le passage sur le vers libre, notamment, qui n'était guère dans les mœurs de Lovecraft. Le problème se pose surtout pour les grotesques tableaux qui suivent. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas vraiment en présence d'un texte inoubliable. Suit un texte que l'on préférerait oublier, pour le coup. The Street, la rue, est probablement une des pires nouvelles de Lovecraft. Je ne vois guère que la révision Medusa's Coil pour rivaliser à ce stade. Et oui, dans les deux, le racisme outrancier de l'auteur n'est sans doute pas pour rien dans ce jugement. Ce qui impose probablement quelques explications. C'est qu'il s'agit d'aller au-delà, car ces textes ne sont pas seulement racistes, ils sont tout autant ratés et mauvais. Bêtes, oui, mais aussi très mal exécutés. À titre de comparaison, The Horror at Red Hook, tout aussi raciste, ne sombre pas autant dans l'abîme de la nullité, sans dépasser de beaucoup le seuil de la médiocrité, il est vrai. Quant à The Call of Cthulhu, si l'on veut pointer cet aspect évoqué rapidement plus haut, ou The Shadow Over Innsmouth, de manière plus flagrante, ce sont des chefs-d'œuvre, en dépit de cet éventuel sous-texte, et j'ai failli écrire, peut-être même en raison de ce sous-texte. Le problème n'est donc pas que le racisme, et c'est là ce que je veux souligner. En fait, de nouvelle, The Street, sous sa forme d'évocation allégorique, tient probablement davantage du poème en prose, et évoque des poèmes antérieurs du même acabit. Si récit il y a, c'est dans le rapport des événements mondiaux et nationaux qui anéantissent peu à peu la glorieuse civilisation, ici celle de la plus belle Nouvelle-Angleterre, à grand renfort de hordes d'immigrés assoiffés de sang, et multipliant les plus terribles attentats, à moins que leur seule présence, par essence insidieuse, suffise à perdre à jamais les timides reliquats de la bonne société d'antan. Le texte a ainsi tout d'un réquisitoire, et Lovecraft pioche dans l'histoire récente et éventuellement dans l'actualité, surtout semble-t-il la grève de la police à Boston, dont jouera habilement Alan Moore dans le deuxième tome de Providence. On est en droit de croire que la rue en question se trouve bel et bien à Boston, et ce texte est de toute façon antérieur à l'expérience new-yorkaise, qui exacerbera sans doute le racisme de Lovecraft, mais il prouve avec d'autres, à qui en douterait, que ce fond était déjà là de longue date. Et donc voilà, il prend appui sur tout cela pour charger les immigrés, notamment de toutes les horreurs possibles et imaginables. Et au-delà encore. Bref, ils sont responsables de l'indicible.
Le texte, submergé par une haine névrotique, tient du pamphlet bas du front, ne différant somme toute guère sous cet angle de ce que nos fachos contemporains sont toujours à même de mondre dans leur paranoïa idéologique, et avec, au choix, la même mauvaise foi ou le même aveuglement. Je ne sais pas ce qui est préférable. Mais par ailleurs, le texte est aussi étonnamment maladroit, à moins qu'il ne faille imputer ses manquements à la passion de l'auteur. C'est relativement plausible. En tout cas, il est d'une lourdeur invraisemblable et d'une bêtise douloureusement transparente. Pour dire les choses, Lovecraft, en tant qu'il est Lovecraft, ne permet pas de sauver quoi que ce soit de cette bêtise. On l'a pourtant vu par la suite, ainsi que bien d'autres auteurs connotés, écrire des abominations semblables, avec cependant un tel talent rhétorique et artistique qu'elles en deviennent une lecture douloureuse pour le lecteur, assumant plus ou moins bien sa fascination pour la chose. On peut penser à la répugnante mais si éloquente description de la population immigrée du Lower East Side dans une lettre à Frank Belknap Long, souvent citée. Alors là, je vais vous l'épargner ce paragraphe avec mon accent anglais pitoyable. Si vous voulez la lire, vous la trouverez notamment dans la chronique sur le blog, et vous la trouverez dans bien d'autres endroits. C'est un texte très souvent rappelé. Et ce texte, donc, est répugnant, il est idiot, il est obsessionnel, oui, mais il n'est pas sans une certaine puissance, d'autant plus douloureuse. Même des expressions, allez, je vais quand même en citer quelques-unes, telles que The Degenerate Gelatinous Fermentation, même One Leprous Cataclysm of Semi-Fluid Rottenness, j'en passe et des pires, avec tout ce que ces expressions outrancières ont d'auto-parodique, témoignent d'un art incontestable. Mais The Street n'est que bêtise puérile et finalement très banale. On lira la même chose sans cesse reproduite dans les organes faf pullulant sur le web. On n'a pas besoin de Lovecraft pour cela. Hélas. Dernière de ces early tales, pas si early que ça, The Transition of Juan Romero, ou La Transition de Juan Romero, sans affliger autant que The Street, loin de là, n'est clairement pas une réussite. Il s'agissait plus d'un exercice qu'autre chose dans le cadre du journalisme amateur. Lovecraft pondant dans la journée cette nouvelle destinée à mettre en valeur un cadre conçu par un autre auteur. Exercice guère probant. Et sans doute Lovecraft en était-il lui-même parfaitement conscient, puisqu'il a refusé de l'avoir publié durant toute sa vie. Mais dans ses derniers moments, il aurait accédé à une demande de son jeune ami et futur exécuteur littéraire Robert H. Barlow, désireux au moins de taper le texte. Elle apparaîtra aux yeux du public en 1944 seulement, bien après sa mort, dans un volume d'Arkham House intitulé Marginalia. Nouvelle guère convaincante. En dépit des prétentions de l'auteur, il ne met guère en lumière son cadre, éventuellement séduisant, de mine inconcevablement profonde. Le narrateur et l'ouvrier mexicain donnant son titre à la nouvelle y errent, voient quelque chose, mais le narrateur refuse de dire ce que c'était. C'est peut-être bien le pire exemple du mauvais traitement de l'indicible dans l'œuvre précoce de Lovecraft. Puis le Mexicain meurt, paf, après une mention de Huitzilopochtli plus ou moins gratuite, et le narrateur est toujours là, lui, et c'est la fin. La nouvelle est tellement abstraite, tellement allusive, tellement cryptique, qu'elle lasse bien vite, et en définitive, elle paraît bien creuse, sans doute parce qu'elle l'est. Reste un tout petit dernier ensemble de fiction, avec beaucoup de guillemets qui s'imposent d'autant plus qu'il s'agit de très courts fragments, dont il n'est guère possible de tirer quoi que ce soit. Le premier s'intitule Azathoth. C'est très court, et guère narratif. Il semblerait que ce soit le tout début d'un projet de roman, qui ne saurait cependant jamais aller plus loin, pour une raison ou pour une autre. Un projet à base d'Orient façon Mille et une nuits ou Vatek. Cela n'a donc rien donné, puisque on n'en dépasse même pas la première page. Peut-être cependant y avait-il encore de cela dans The Dream Quest of Unknown Kadath? Dans ce cas, Azathoth serait un faux départ. On relèvera bien sûr que c'est là la toute première mention d'Azathoth, mais dans le titre seulement, le nom n'apparaît pas dans ce très 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 bref fragment sans véritable intérêt en tant que tel. Nous avons ensuite The Descendant, donc le descendant, et pas grand-chose à dire là non plus. Cette mise en place est parsemée d'allusions référentielles, probablement trop, à l'œuvre de Lovecraft, à ses écrivains fétiches, etc. Reste l'idée de cet homme qui littéralement ne veut plus penser. On peut y voir un écho de la peur que peut susciter la science, thème esquissé dans Facts Concerning the Late Arthur Jermyn and His Family, et autrement développé dans The Call of Cthulhu. Le cadre est par ailleurs britannique et peut évoquer The Rat in the World. Sinon, nous avons un jeune rêveur, reliquat peut-être d'une époque antérieure dans l'œuvre même de l'auteur. Un Necronomicon qui tombe du ciel ou presque. Ah, et des Romains aussi. Et un titre.
The Book, le livre. En 1933, Lovecraft n'est pas exactement au plus fort en termes de productivité. Déçu par de trop nombreux rejets, mécontent de son œuvre antérieure, il ne baisse pas encore tout à fait les bras, mais tente des choses. C'est, semble-t-il, dans ce contexte que s'inscrit le fragment The Book. Mais de manière plus flagrante, il s'agit pourtant d'un nouveau développement d'une œuvre antérieure. En l'espèce, le cycle de sonnets Fungi from Yggdrasil. The Book en reprend clairement en prose les premiers développements. Pas grand-chose de plus à en dire. Cela demeure une variation sur le livre maudit que la prose rend moins originale que la poésie. Enfin, The Thing in the Moonlight, qui est une autre bizarrerie à la limite de la magouille, et peut-être plus encore que pour The Evil Clergyman. Pour ce qui est de cette chose dans la clarté lunaire, nous partons là encore d'un rêve de Lovecraft figurant dans une de ses lettres, cette fois en date du 24 novembre 1927, et adressée à Donald Rundray, cofondateur d'Arkham House. J'imagine que cela peut avoir son importance. Mais la présente édition ne dit rien de tout cela. Or, c'est un point essentiel. Parce que, au-delà du rêve de Lovecraft en lui-même, ce que nous retenons de ce fragment, du coup complété avec beaucoup de guillemets, ce qui rend sa place ici d'autant plus problématique, c'est peut-être avant tout l'arrombage d'un certain J. Chapman Misk, qui glisse dans son texte un personnage du nom de Howard Phillips, 66 College Street, Providence, ce qui immanquablement nous fait penser à quelqu'un. Mais le dit quelqu'un ne livre donc pas ici ce qu'on pourrait vouloir qualifier de jeu postmoderne ou post-post-post-post-post-postmoderne. J'aime bien répéter post. Je trouve que ça sonne plus funky. Bon, qu'en retenir alors? Eh bien, du coup, pas grand-chose. Et nous en avons fini avec la fiction pour ce volume. Reste cependant un gros morceau. Supernatural Horror in Literature, ou en français, épouvante et surnaturelle en littérature. Oui, c'est un très gros morceau. Et pas seulement parce qu'il s'agit, et de loin, du plus long texte compris dans ce recueil, mais aussi parce que c'est un texte essentiel, dans l'œuvre de Lovecraft sans doute, mais probablement aussi au-delà. Cet essai, rédigé initialement à la demande d'un ami, constitue en effet un des très grands moments de la critique en matière de littérature horrifique, fantastique ou surnaturelle si l'on y tient, mais cela peut aller au-delà. Et probablement un des premiers d'ailleurs. Lovecraft y dresse un très complet panorama du genre, où l'enthousiasme du lecteur transparaît régulièrement, sans pour autant nuire à ses capacités d'analyse et de critique. Une œuvre qui, en ce sens, n'a guère eu de précédent et probablement pas tant de successeurs que cela. Lovecraft s'y montre un commentateur pertinent, qui sait inscrire son sujet dans l'histoire, mais tout autant en préserver ce qui mérite de l'être. Homme de goût en même temps que lecteur curieux, il produit une somme sur le genre, à l'heure même où son approche personnelle est largement chamboulée par le débarquement de Cthulhu et compagnie, ce qui n'a probablement rien à hasard. Mais cela me renvoie aussi à une remarque faite par Michel Houellebecq dans son H.P. Lovecraft Contre le monde, contre la vie, ou je crois m'en souvenir en tout cas. Il est une chose qui déconcerte vaguement dans cet essai autrement très pertinent, voire une chose qui déçoit quelque peu, tout en coulant de source, c'est que Lovecraft n'y prend pas lui-même la pleine mesure de son propre apport considérable. Il ne pouvait sans doute guère se le permettre, et probablement n'avait-il pas bien conscience, en fait, de ce qu'il apportait au genre. Qu'importe, il dresse ici un panorama de la littérature horrifique, des temps les plus reculés à ses jours, et le fait avec habileté, érudition, enthousiasme et pertinence. Certes, il s'attarde pour l'essentiel sur le domaine anglo-saxon, le seul véritablement abordable pour lui, mais ses excursions ailleurs n'en sont pas moins bien menées, qui l'amènent à traiter de la littérature germanique en la matière, surtout, éventuellement aussi de la littérature française, ou même, voyez-vous ça, juive. Avant d'en arriver là, cependant, il s'agit de définir le genre, caractérisé par la quête de la peur, la plus forte des émotions humaines. Or, il n'est peur plus puissante que celle de l'inconnu. On pourrait sans doute abondamment gloser sur cette entrée en matière, très célèbre, et gloser éventuellement en dehors du seul domaine littéraire d'ailleurs. Bon, je ne m'y risquerai pas ici. Demeure cette bizarrerie, que cette émotion si forte n'ait finalement obtenu droit de citer en littérature que bien tardivement. Bien sûr, les anciens ne manquaient sans doute pas de récits du genre, a fortiori quand la limite entre mythologie et fiction s'avère quelque peu floue. Plus tard, chansons de gestes ou poèmes épiques accorderont éventuellement une certaine place à l'horreur et au surnaturel, et les plus grands auteurs de tout pays et de tout style s'y sont régulièrement essayés. En Angleterre, cela vaut bien sûr pour Shakespeare, mais aussi pour bien d'autres. Il n'en reste pas moins que la vraie révolution en la matière, celle qui inscrit la peur au registre des émotions que la littérature se doit d'exprimer, est bien tardive. La peur littéraire est fille du XVIIIe siècle. C'est la naissance du mouvement gothique, d'abord avec Horace Walpole et son curieux Château d'Otrante,
très très curieux. Le coup du homme géant qui tombe du ciel au tout début du roman n'a pas fini de me laisser perplexe. C'est un ouvrage que Lovecraft pourtant ne prise guère. Il se montre même très sévère, peut-être à la mesure de l'estime qu'il semblait vouer à l'auteur quand il s'exerçait dans d'autres registres, la correspondance notamment, sauf erreur. Mais le succès est là, la peur et l'étrange deviennent des sujets dignes comme on parle, et suivent bientôt d'autres auteurs pour œuvrer dans le genre avec plus de réussite. Et pourtant toujours certains défauts, mais à en croire Lovecraft, peut-être de moins en moins. Chaque œuvre essentielle en tout cas, il fait l'impasse sur la plupart des pâles copies comme il se doit, est meilleure que celle qui la précède. Nous passons ainsi de Raswald Paul et Otrante à Anne Radcliffe et Udolphe. L'auteur est plus subtil, mais hélas porté aux explications rationnelles, un trait qui agace considérablement Lovecraft, quand bien même sa propre approche du weird est globalement rationnelle, ou l'est de plus en plus à cette époque même. Et ensuite, on passe à Matthew Gregory Lewis, ou Monk Lewis, comme on disait en référence à son œuvre la plus célèbre. Enfin et surtout, on en arrive à Charles Robert Maturin, dont le Melmoth est aux yeux de Lovecraft le sommet indépassable du genre. Si l'aventure gothique, au sens le plus strict, s'arrête à peu près là, les auteurs qui comptent dans sa foulée ne manquent pas. Beckford, pour son Vathek, qu'adorait Lovecraft, plus encore Mary Shelley, dont il perçoit bien la puissance et l'inventivité du Frankenstein. Le 19e siècle voit, dans toute l'Europe et aux États-Unis, certes, Lovecraft ne regarde pas vraiment ailleurs, ce qui n'a alors rien d'étonnant. Je note pour le principe qu'il mentionne brièvement et apprécie Lafcadio Hearn pour ses histoires de fantômes japonais, ainsi qu'Oidan. Sinon, nous y voyons donc, malgré tout, bien des auteurs briller dans le genre, qu'ils s'y dévouent ou pas. En fait, les plus grands de ceux que nous appellerions aujourd'hui littérature générale ou blanche s'y essayent volontiers à l'occasion. Dans le monde germanique, Lovecraft évoque Hoffmann, La Motte Fouqué, Meinhold, ou son contemporain Hans-Heinz Evers. En France, un peu de Hugo, davantage de Théophile Gautier, pourquoi pas Flaubert, Mérimée bien sûr, Maupassant par-dessus tous les autres. Dans la branche sémitique, il accorde aussi une place particulière à Meyrinck. Mais le monde anglo-saxon comme de juste le rend plus loquace. Toutefois, avant d'évoquer en détail quelques figures notables des îles britanniques ou des anciennes colonies, il est une idole qu'il lui faut à tout prix glorifier pour les siècles des siècles. Nul autre qu'Edgar Allan Poe, qui se voit consacrer un chapitre entier de l'essai fait unique. C'est son maître, son dieu, a-t-il même dit à l'occasion. Pourtant, il ne l'épargne pas, le cas échéant. Quelques traits, çà et là, sont bel et bien critiquables dans l'œuvre du géant. Pour le reste, eh bien, je n'ai pas grand-chose de plus à en dire ici. D'abord parce que je ne ferai que répéter des choses bien connues, et ensuite, parce que Poe m'a toujours fait chier, en fait. Ce qui me dépasse, tout chez lui devrait me parler, et pourtant, ça ne marche que très rarement sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ce n'est pas moi le sujet, hein. Poe envisagé, Lovecraft peut revenir à des panoramas plus globaux, centrés sur le monde anglo-saxon. Donc, étrangement, ou pas, il commence par l'Amérique. L'occasion de parler longuement de Nathaniel Hawthorne, par exemple de la maison aux sept pignons qu'il adulait, d'Ambrose Bierce, longuement aussi, plus brièvement d'Olivia Wendell Holmes, de Henry James pour le tour d'écrou, de F. Marion Crawford, de Robert W. Chambers, le roi en jaune, Huey La Houle, faiseur de lune, en quête de l'inconnu, de Mary Wilkins, de Ralph Adam Cram, de Irvin S. Cobb, dont il cite Fishhead, évoqué plus haut comme une possible inspiration de Dagon, de Leonard Klein, de Herbert S. Gorman pour le roman A Place Called Dagon, de Leland Hall, d'Edward Gasewhite et d'un copain quand même, un certain Clark Ashton Smith. Lovecraft n'envisage donc les îles britanniques qu'après coup. Rudyard Kipling, Lafcadio Hearn donc, en dépit de son exil nippon, Oscar Wilde bien sûr, d'abord et avant tout pour le portrait de Dorian Gray, Matthew Phipps chien, Bram Stoker évidemment, Dracula en tête, il est autrement sévère pour le repère du ver blanc, puis John Buchan, Clemens Haussmann, Walter de la Mare, William Hope Hodgson, qui loue autant qu'il le critique, réservant cependant une place à part à la maison au bord du monde, s'étendant volontiers à ce sujet et regrettant déjà que cet auteur ne soit pas davantage lu. Et il en cite beaucoup, beaucoup d'autres, dont quelques célébrités, aussi bien H.G. Wells qu'Arthur Conan Doyle ou encore W.B. Yeats. Reste enfin à parler des maîtres modernes. Quatre auteurs des îles britanniques que Lovecraft met en avant délibérément, ce qui, à vrai dire, se justifie d'autant plus qu'insidieusement, en évoquant ses maîtres, ce sont en fait ses propres méthodes, ou ses propres questionnements, ses envies, ses ambitions, qu'il définit avec habileté et pertinence. Arthur Machen au premier chef, très long développement.
Algernon Blackwood ensuite, envers qui il est globalement plus sévère, notamment en raison de son jargon occultiste, mais dont il prise par-dessus tout les meilleurs textes, ainsi les Saules, nouvelles extraordinaires il est vrai, que Lovecraft qualifie ici de meilleur récit weird qu'il ait jamais lu, admettant bien volontiers qu'un Blackwood en forme est un maître insurpassable pour ce qui est de l'ambiance. Lord Dunsany, bien sûr, et peu d'auteurs l'ont autant inspiré lui-même, si, à l'époque de la rédaction de cet essai, Lovecraft s'en est déjà un peu émancipé. Mais en même temps, il vient alors tout juste d'écrire The Dream Quest of an Uncadas comme une ultime révérence à cet auteur qu'il admirait tant. M.R. James, enfin, d'un apport plus discret, mais Lovecraft ne l'en loue pas moins avec enthousiasme, et il faudra que je me décide un jour à lire enfin ces fameuses histoires de fantômes. Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet ici, d'autant que j'en ai déjà causé, en fait, dans le Bifrost consacré à Lovecraft. Notons cependant que les éloges de Lovecraft sur ses auteurs ont ceci d'étrange qu'aujourd'hui nous les avons largement oubliés. Et pour ce que j'en ai lu, c'est tout à fait regrettable. Là où Lovecraft, inconnu en son temps, est devenu aujourd'hui une sorte d'icône de la pop culture sans beaucoup d'équivalent. En conclusion de ce volume bien rempli, comme on a pu le constater, eh bien c'était appréciable, ma foi. L'appréciation de nombre des nouvelles ici compilées comme étant mineures pouvait me faire redouter au début une relecture un brin laborieuse, mais s'il est bien des textes laborieux dans le tas, globalement c'est très bien passé. Certes, on n'y atteint pas les sommets des grands textes compilés dans The Dunwich Horror and Others ou At the Mountains of Madness and Other Novels, mais le résultat est globalement plus qu'honorable. Les récits des contrées du rêve, notamment, sont bien mieux passés que ce à quoi je m'attendais. Mais dans les contes macabres, on trouve aussi à l'occasion de bien jolies pièces. Le recueil est certes l'occasion d'étudier l'évolution de Lovecraft, mais nombre de ces récits se tiennent très bien en eux-mêmes. C'est peu dire que Lovecraft était au-dessus du lot, et ses textes inférieurs en sont une démonstration aussi étonnante qu'éloquente.